Le troisième pays, c'est le Zimbabwe, avec capitale Harare. Le président s'appelle Emmerson Mnangagwa. Et il parle l'anglais. Dans son sol, ils produisent le tabac, coton, maïs, thé, canne à sucre. Et le sous-sol produit le charbon et le fer. Quatrième pays de l'Afrique australe que nous étudions encore aujourd'hui, c'est le Mozambique. Sa capitale, c'est Maputo. Son président s'appelle Philippe Nyusi. Et la langue parlée, c'est le portugais. Dans son sol, ils produisent le café, le coton, la canne à sucre. Et son sous-sol, c'est comme Zimbabwe, le charbon et le fer.